Salutations! Nous nous retrouvons à nouveau sur l'ombre de la guerre, un jeu qui est déjà terminé. Le let's play est déjà terminé, mais alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien c'est simple, on est là pour les DLC, la lame de Galadriel, et surtout, celui qui m'intéresse le plus, la désolation du Mordor, où nous allons dans le pays d'Arad, d'après ce que j'ai compris, j'en suis pas sûr. Comme vous pouvez voir, je suis un peu hésitant. Mais c'est celui de Baranor qui m'excite le plus. Mais bon, on va commencer par Eltariel. Je m'attends à rien, j'espère ne pas être déçu. Ce DLC m'a coûté la coquette somme de 90 centimes. J'ai échoué. J'ai suivi Celebrimbor, son anneau au doigt. Nous n'avons pas vaincu Sauron. Sauron et Celebrimbor ne font plus qu'un. L'œil ardent qui surplombe Barad-dûr. Mais si vous êtes au Mordor, c'est pour les Nazgûl. Et votre tâche n'est pas terminée. Allez à Minas Morgul. Un Nazgûl se terre là-bas. Vous savez bien de qui je veux parler. Il est mort. J'ai pris le nouvel anneau et je suis parti. Ah ouais, mais je suis pas mort. Il porte l'anneau d'Isildur. Ça parle de Talion. Hein. Il appartient à Sauron maintenant. Et il vous revient. Madame, je ne peux pas. Laissez-moi rentrer. Vous porterez le nouvel anneau, et vous achèverez votre mission. Alors, vous pourrez enfin rentrer. Ce sera fait. Bon, il est en conflit. Oh bah. Elle récupère ses deux doigts, c'est beau. Les doigts de lumière, mon gars. Est-ce que Talion va être un petit peu rancunier? Je pense qu'un minimum. Un minimum rancunier, quoi. Parce que pour rappel, elle m'a trahi. Elle m'a volé mon anneau. On joue Eltariel, attention. La lumière. Ma lumière, les amis. Ma lumière. Dadadoum. Regardez.
Alors, je suis totalement rouillé, hein, faut le savoir. Parce que ça date un peu pour moi le gameplay. Vous êtes blessé. Ma lumière vous guérit. Oh ouais, elle a un soin comme ça de base. Oh, c'est fort. Hein. Mais j'avoue que ça me manquait un peu de jouer à ce jeu. J'espère de tout cœur qu'il y aura un autre jeu de ce style. Pas forcément avec Talion. Peut-être une autre histoire, un autre personnage dans l'univers du Seigneur des Anneaux. J'en ai très envie. Avec ce gameplay, hein, de préférence, si c'est les mêmes gens qui ont fait ce jeu, c'est cool. Après, s'ils ramènent Talion une troisième fois, c'est bizarre. Je veux dire, au bout d'un moment, Talion, faut le laisser dormir, quoi. C'est bon qu'il a assez souffert comme ça. Il mérite un peu de paix. Oh, moi, tu es aveugle. Vous le trouverez dans la grande salle. Ça me rappelle quelque chose. Quoi que tu sois, j'ai une lame qui t'attend. Ils me verront jamais, quoi. Mais d'après ce que j'ai compris, dans le DLC de Baranor, on va dans le pays des Aradrim. Si c'est pas le cas, je serais extrêmement déçu. Hein. Sachez-le. Parce que moi, j'ai lu un petit peu le descriptif et j'ai l'impression qu'on allait dans le pays des Aradrim. Je sais même pas comment ils s'appellent, leur pays. Oh, la violence. Ça m'avait manqué ce gameplay un peu. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à un jeu Seigneur des Anneaux. Ça doit faire quasiment un mois. Les lavements qu'on leur inflige, mon gars. Mais ça va, on commence à avoir un petit peu le gameplay entre les mains. Oh, bien joué, je me suis fait avoir. Tu vas mourir.
Ah, je me fais avoir à chaque fois. Petit haut du crâne là. Moi c'est ce haut bouclier, même dans le jeu de base je galérais avec ce haut bouclier. Vous ne me tuerez pas deux fois. J'aimerais changer de camp. J'aimerais contrôler Talion là pour lui dégommer sa race. Je l'aime pas beaucoup Eltariel en vrai. Bah elle m'a tué hein, c'est pour ça que je l'aime pas. Hein. Compliqué d'aimer quelqu'un qui vous a tué hein. Moi je suis rancunier hein. Un minimum. Portez l'anneau d'Isildur. Et vous, celui de Celebrimbor. Il a pas tort. Ouais, il a pris des dégâts. Celebrimbor s'est joué de vous, comme de moi. Ah, bien joué. Ah t'as le lion, t'es fort. T'es fort et t'es chiant. Vous servez Sauron. Non, la terre du milieu. Je sais pas, elle s'est pas rendue compte qu'il ressemblait pas aux autres Nazgûl. Je vais s'en rendre compte à un moment donné quoi. Enfin j'espère. Ah ça fait mal Talion. Il me laisse pas un moment de répit pour me soigner. Pas bien joué. Pas bien joué. Moi je suis mort. Avec un marteau. Il m'a égorgé avec un marteau. Vous
mourir. Celebrimbor s'est joué de vous, comme de moi. Bien joué. J'ai été envoyé pour vous tuer. Ça n'arrivera pas. C'est factuel, hein, ça n'arrivera pas. En fait, le problème, c'est qu'on a fini le jeu, du coup, on connaît déjà le résultat du combat. Hein. Vraiment. C'est le seul problème que je vois dans ce petit combat-là. C'est que je sais que ça sert à rien. Portez l'anneau d'Isildur. Vous, celui de Celebrimbor. Bien joué. Mais il est plus rapide que moi, ça dégoûte. Vous servez Sauron? Non, la terre du milieu. Petit soin là. Bien joué. Ça marche pas très bien ce que je suis en train de faire. Fuck. Bah bien joué. Psiou, psiou, psiou. Ah, bien joué. En fait, j'arrive pas à l'interrompre en faisant ça. Faut que j'arrête de le faire du coup. S'énerve pas, Talion. C'est bon, il s'énerve. J'ai beau porter l'anneau des Isildur, je ne suis pas encore un Nazgûl. Arachné a vu l'avenir tel qu'il se produit. Elle a vu le grand œil sur Barad-dûr. Et aussi la nécessité d'un contre-pouvoir.
Vous êtes ce contre-pouvoir ? Non. Nous le sommes. J'ai pour mission de vous tuer. Vous m'avez dit que face aux ténèbres, lutter peut être une victoire. Est-ce toujours le cas ? Je crois qu'il faut contenir le Mordor et les Nazgûl. Mais combien de temps est-ce que vous pourrez lutter avant de les rejoindre ? Je l'ignore. Raison de plus pour me suivre. Venez. Après la chute du roi sorcier, une attaque a été lancée sur plusieurs forteresses. Mais par qui ? Ça, c'est ce qu'il nous faudra découvrir. Un pouvoir s'éteint, un autre s'éveille. C'est ainsi que va le Mordor. Talion est le contrepoids qui repousse l'œil ardent. Ah là là, bien joué Talion. Ce fort ne peut rien contre une attaque de Ghul. Ce ne sont pas les Ghul qui me tracassent. Monseigneur, les autres forts essuient des attaques, préparons-nous. Ça tombe vraiment très mal. En cas d'attaque, on est... fichu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Azranz est parti il y a une semaine venger son frère de sang, avec tous ses drakes. On est sans nouvelles depuis hier, Trak s'est fait empoisonner. Il a accusé Arisu, qui a nié être impliqué, mais... Trak, perturbé par le poison, l'a poignardé. Il est mort... vidé. C'est un miracle que vous soyez encore capable de tenir ce fort. Nous ne le tiendrons plus du tout sans renfort. Oh, je connais des orques qui pourraient nous fournir les défenses nécessaires. Ils sont... uniques. Très bien. On m'attend à la forteresse de Serregost. Serregost ? Maintenant, c'est vous qui portez l'anneau. Bah oui, hein, faut assumer. Que je domine ces orques ? Bah, rends-moi l'anneau alors. Enfin, je veux dire, rends-lui. Et je les ramènerai. Ouais, voilà. Quand même. Tu me voles et après tu veux pas faire mon boulot ? Je ne vais pas m'ennuyer. Enfin, il faut que j'arrête de parler comme si j'étais Talion. Je suis Altariel. Je suis une elfe débilus. Oh, on a des points d'aptitude ? On en a un. Bon, on va attendre. Je ferai le nécessaire. D'ailleurs, j'ai pas mis les sous-titres. Tu as où les sous-titres ? Mais c'est quoi toutes ces options ? Ah ! C'est des alliés ou des méchants ? Des méchants. Est-ce qu'il va paniquer lui ? Non, ça va. Ah si. Je suis on fire. Ah,
D'ailleurs, attends. Ouais, je peux me TP. Servant. Là, c'est quoi? L'arc de Morgoth. Et l'architecte. On va aller voir l'architecte. Un orque qui bâtit au lieu de détruire. Le Mordor réserve bien des surprises. Bah, quand tu vois toutes les structures qu'ils ont, bon, c'est un peu rudimentaire, certes. Mais il y a bien quelqu'un qui construit tout ça. Ah, quand je pense à la fin du jeu dans le jeu de base, qui a été modifié pour être plus courte, parce qu'en gros les gens se sont plaints. C'est forcément ce qui s'est passé. Hein. Qu'à la base tu devais défendre le fort pendant je crois 3-4 heures et au final ils ont réduit ça à 3-4 défenses quoi. C'était assez indécent. Bon, petit heal. Merde. Tenez-vous prêts. Il est beau, regardez. Voilà le remue. Si vous sauvez suffisamment d'ouvriers, vous entrerez dans ses bonnes grâces. Vous allez disparaître. Ah, tu as entendu parler de mon travail? Il faut protéger mes ouvriers. On a des bois, moteur. Il reste rien ici. Moi je suis juste un être de lumière. Je fais de la lumière. Non mais me parle pas. Quelqu'un qui admire le travail que j'accomplis. Ah mais on est plus attaqué. Bien que la plus grande prouesse architecturale de tout le Mordor. La première du genre. Une forteresse souterraine. Invulnérable à toutes les formes d'attaque. Quand on aura chassé ces saletés de gules. T'es avec moi. Disons que je ne suis pas contre. Mais t'es en train de faire le tour du machin là. Préparez-vous pour une nouvelle moisson de gules, les gars. Les forteresses souterraines vont pousser partout. En voyant celle-là, tous les chefs suprêmes en voudront. Ah non, pas encore, pas encore. C'est trop fort la lumière contre les ghouls. Ils disparaissent à une vitesse, mon dieu. Ah, Arcaro, je connais. Bah, je suis coincé. Je suis coincé. J'ai tendance à bloquer. Arrêtez de me cracher dessus, j'aime pas.
Oula, t'es parti où là? On n'en a pas sauvé beaucoup des ouvriers. Hein. Malheureusement. Ça, c'est mon chef-d'œuvre, elf. Dédié à la gloire des orques, au Mordor lui-même. Impressionnant, en effet. Tu t'es montré efficace. Et comme j'ai plus d'archers, j'aurai besoin de protection. Je paye pas beaucoup. Mais tu vas te couvrir de gloire avec moi. Je te prends à mon service. Je ne te décevrai pas. Elle est tellement circonspecte. Elle est là en mode boire. J'en ai pas spécialement envie. Mais bon. Pas de force. Espérons-le. Ça vous dérange pas ce que je fais, madame? Je pactise avec quelqu'un qui a l'anneau d'Isildur. Et bon. Je fais ami-ami avec des orques. Galadriel doit me regarder de travers un peu, non? renforcez vos rangs en recrutant l'arc de Morgoth. Jamais sa cible. Comment c'est possible? On avance. Il nous aura pas tous. Dépêchez-vous. Bien joué. Il m'a touché. Hein. Bon, y a un gros mur là. Je refuse d'être touché là. Hein. Vous voulez des flèches ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Laissez tout jouer là. Alors on pourrait peut-être en reparler plus tard. Je sers le sale véritable seigneur des ténèbres. Morgoth. Eltariel, prenez garde quand vous lui parlerez. Ne mentionnez pas mon nom si vous voulez la voir à vos côtés. Bien compris. Une flèche pour toi! Une flèche pour toi! Des flèches pour tout le monde! Je t'ai regardé tuer, mon bâtard. Tu n'es ni un Wookie, ni une alliée de son. Dis-moi, est-ce que ces Wookies sont vraiment bons à quelque chose? Ils savent plutôt bien mourir. Mon nom est l'Arc de Morgoth, et je résiste seul au sbire de l'usurpateur depuis bien trop longtemps. Battons côte à côte. Og! J'en ai marre de te voir massacrer tous mes gars, l'âme. Je vais mettre un terme à ta misérable existence. Ça va pas suffire. Ah. Ah. Morgoth avait un véritable dragon adulte. Bon, je me soigne. Je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'en sautant, avant de retomber, j'allais tuer les trois drakes. Genre vraiment, je me suis dit, bon allez, hein, freestyle. Bon, le retour à la réalité est un peu violent, je vous l'avoue. Ah, quelle pitié. Talion l'aurait fait, lui. Hein. Bon, peut-être que j'abuse un peu.
on a eu le choix. Flèche, hein. Il n'y a pas de flèche autre ici. Apparemment non. On va descendre hein, du coup. Je peux choper des flèches quelque part. Ah mais il suffit de regarder la map. La mini carte, il y a les flèches affichées, j'avais pas vu. Ah, on peut les chevaucher ? Oh oui. Tu es à moi. Toi pareil. Et où le troisième ? Morgoth était un adversaire sinistre et plein de haine. S'il savait que l'un de ses partisans les plus loyaux finirait par collaborer avec une elfe, il serait furieux. Bon, il est mort depuis très longtemps, hein. Sauron a pris sa place depuis. Hein. Morgoth, c'est bien le premier seigneur des ténèbres, hein, si je dis pas de bêtises. Sans la piqûre de sa lumière. Elle a dit que tu viendrais me voir. Tu n'as rien à craindre, Kirmizold. Je suis Ar-Baruk, et je viens te proposer mon soutien. Et que me coûtera cette offre généreuse? Des fous adeptes de la machine empiètent sur le domaine de ma maîtresse. Chasse-les donc. Entendu. Elle est pas très contrariante, hein, Eltariel. Hein. Leurs machines ont besoin de minerais. Mais ma maîtresse repose sous leurs pieds. Tue-les, afin qu'ils cessent de creuser par ici. Ces précieux enfants t'aideront. Allez, venez vous battre. Hein. Venez vous battre tous, hein. Je vous prends tous. Boum. Mais mort lui. Ah, il a explosé. Les brutaliser mais pas les dompter. Elle refuse vraiment de capturer les orques. Oh, elle est pénible hein. Mais ils sont stylés les orques hein. Celui-là il est très stylé. En fait les trois qu'on a vus sont stylés. C'est peut-être même lui le plus beau je trouve. Attaquer ce campement en tête baissée serait trop risqué. Je ne souhaite pas sacrifier ces merveilleux enfants si ce n'est pas nécessaire. Vas-y d'abord. Je ne t'aiderai qu'en cas de besoin. Attention. Petite brutalisation.
Oh, des capitaines. Il a fallu un temps fou pour mettre ce site en route. J'ai plus qu'à trouver de nouveaux gardes et des ouvriers. Mais d'abord, je vais te tuer. N'allons pas trop vite. Je tiens à ce que ça fasse mal. J'aime pas quand on parle. J'aime quand ça crie. Subissez le fond venimeux de ma maîtresse et de sa progéniture. Ah, ils sont tous légendaires. Hein. Je prends un petit coup de boule. Un deuxième, allez hop, pour la route. Comment ça, insensible à la lumière? Dégâts aux gens en lumière, ok. Et du coup, je meurs. Bah non. Oh la lariat. Il m'a mis une giga lariat. Oh mais non. Il m'a mis une lariat alors qu'il était censé être stun. C'est la baise. Hein. Et un de moins. Bon, le problème c'est que là tu vas mourir là. Faut que je me dépêche. Vite. Ah, bien joué. Comment ai-je pu douter de ma maîtresse? Tu as respecté ta part du marché. Je te suivrai tant qu'elle ne m'en dissuadera pas. Deux points d'aptitude. On en a eu un de chaque, ça c'est beau ça. Elle a du matériel pas terrible. Hein. Bon, elle est belle celle-là. Quoi ça? Dégâts accrus, et là? Oh d'accord, bah ça fait la même chose partout, bah au moins comme ça c'est pas contrariant quoi. Son dévouement envers Arachné est remarquable. Je me demande quel sort elle lui réserve, une fois qu'il ne lui sera plus utile. Certainement la mort. Bon, en vrai, quel intérêt elle aurait à le tuer? Mais c'est pareil, t'as des capitaines un peu partout. J'ignore qui les dirige, mais leurs forces se rassemblent. Une nouvelle défaite les attend. Croc,
C'est loin en fait, hein, 1200 pieds. Je peux pas me TP à la zone, non. Bon, tant pis, on va marcher. Ou lui. Tu vas me donner ta rune. Ça c'est cool ça. Oh, un petit capitaine. Je vais te calmer. Hein. Bien joué. Petite île. C'est fort hein, comme... Très fort. On voit pas ça tous les jours. Le capitaine est mort. Lumière ajoutée. Santé. Ok. Il y aura un peu le heal. Maintenant qu'il est amélioré. Oh ouais. Ça va vite, hein. Bonjour, bonjour. Un petit siège. Alors, je suis pas bien confiant encore en termes de capacité. Mais je vais faire de mon mieux. Un nouveau pouvoir se dévoile au cœur du Mordor. Aujourd'hui, l'immortel doit faire face à une immense armée aux portes de Seregost. Il va tomber et il n'y aura personne pour vous aider. Toi et ta bande de dégénérés. Pauvre larve, si vous saviez ce qui vous attend! Oh, j'ai hâte qu'il se fasse cueillir par les archers que j'ai formés. Cette armée va
se fracasser contre mes murailles. Les enfants d'Arachné sont parés. Et moi à leur côté. Allez, en position. Battez-vous! Remportez la victoire! Bon, comme d'hab, hein, on n'attend pas. Oui. Ça va être un plaisir de te voir exploser contre moi, de t'entendre hurler de douleur et de goûter le sang qui jaillit de ta chair. Tu veux goûter mon sang? Je doute que tu y arrives. Quand même fort. Ça dégage, hein. Ah, ça va, là elle les domine. Elle avait déjà dominé autre chose. C'est dommage qu'il les ait pris. Ah non, c'est bon, il est pas mort. Faut qu'il décide, hein. Bah, je peux pas. Les orques peuvent pas faire de lumière. Une fois que ces ténèbres ont pénétré en toi, elles marquent tes entrailles. Ah, tu veux me pénétrer avec de la lumière? C'est hors de question. Enfin, avec des ténèbres plutôt. Et un de moins. Mais non, mais tape le gros avec le bouclier. Ah là là, j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est dommage. Un torse? Pas du tout. Allez, dépêche-toi. Hein. Dépêche-toi, allez. Je pensais pouvoir l'assassiner, mais non. Pas de soucis, il y en aura pour tout le monde.
missiles. Anti-sonk. Oh, bien joué. Arcaro. Non, c'est Arcaïus. Caius Pupus. Qu'elles n'ont rien à voir avec ça. Ténèbres n'a pas pu le prendre. Comment le pourriez-vous ? Le Seigneur des Ténèbres et Celebrimbor brûle au sommet de Barathûr. Le roi sorcier est diminué. C'est à nous de jouer. Tueur. Tueur. Va à Minas Morgul, sécurise la cité. Nous manquons de force pour reprendre Cerekost. Alors je la réduirai en cendres. Sur la même ligne, mon gars. Point d'aptitude. Bon, on a plein de points d'aptitude. Je vais voir un peu. On en a 9. Ça, c'est quoi ? Déflagration. Pourquoi je peux pas... Ok. On reste appuyé. Souffle de lumière. Rage elfique, ouais, mais elle ressemble à quoi sa rage à elle? Oh, d'accord, elle explose tout le monde. D'accord, L2 pour tirer rapidement. Elle a des trucs un peu pétés, hein. Ça m'a l'air bien. Tu soignes tes alliés en même temps. Soigne les alliés proches et réanime les capitaines partisans tombés. C'est quelle attaque ça ? Croix carrée. Ouah, c'est fort. Plus d'explosions. On va les fusionner.
Là c'est 20. Ok, c'est ceux-là à 40 du coup. Un peu. C'est broken. Dans tous les cas, je vous remercie pour avoir suivi cet épisode. Je vous donne bien sûr rendez-vous bientôt pour la suite de notre aventure sur l'ombre de la guerre, la lame de Galadriel. Au revoir.